Rebonjour en fonction, je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure ou pas. Est-ce qu'on a bien le son? Est-ce que tout est bon? Parce que j'ai changé. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, dans 5 minutes, on va avoir le verdict pour savoir si oui ou non on va réussir à faire top 1. J'ai laissé farmer comme un bourrin depuis tout à l'heure. Vous allez voir, ça a même plus que bien farmé. Et j'ai réparé la cam. D'ailleurs, coucou. Attendez, hop là. Mieux comme ça. Peut-être mieux comme ça. Bon, il faudra faire quelques petits réglages encore pour essayer de tout remettre comme il faut. Mais ça arrivera petit à petit. Et ouais, non, je suis pas un nain à barbe, désolé. Raté. Non, malheureusement non. Alors voyez le jeu. Donc du coup, il fallait qu'on farme un petit peu au cas où. Regardez, j'ai farmé 10 millions de pièces d'or. Je suis niveau 3658 et j'ai tué quasiment 4 millions d'ennemis. Plutôt pas mal. Ouais, j'ai coupé les cheveux. Ouais. Bon, on peut se barrer, hein. Faut pas déconner, 10 millions d'or, je pense que si j'ai pas assez avec ça... voilà quoi. Or, gagner 10 millions, ennemi tué 3 692 000. Voilà quoi. Je pense que ça, la solution ultime K, je sais pas si c'est des milliards ou bref, c'est un peu... ouais, il y a des G, bon. C'est un peu débile. Mais voilà. Déçu que tu sois pas un nain à barbe. Ouais, désolé, hein. C'est vrai, putain, vous avez raison. En plus, je suis un nain à barbe en mode top. Vous avez raison, vous avez raison. Je vais mettre les lunettes. Alors, je vais faire un truc au cas où. Voilà, 9 999 999. Bah, je suis capé, hein, regardez. Ah, ça y est, enfin. Voilà, j'ai dépassé le truc. Donc, là, il faut que je sois concentré après, parce que là, dans 4 minutes, je vais vous mettre ça là, comme ça, vous allez savoir, vous allez voir. Hop. Dans 4 minutes, ça là, ça pop. Il est 17h56, et il faudra que je sois extrêmement rapide. Vraiment, là, c'est pas une question de qui a réussi ou pas à faire les LHS, c'est vraiment le premier qui poste à gagner. Putain, mais t'es Usain Bolt, en fait. donc voilà quoi. Donc voilà. Je vais faire qu'actualiser pour être sûr que tout soit bien, que tout soit bon, que tout soit ok. Ah, tête, t'as oublié de me rendre quelque chose, non? Chez Badass. Merci bien. A plus sous le bus. Je règle des petits trucs, hein, mais tout va bien. Donc. J'ai ici les screens qui ont déjà été pris. Parce que je pense que Big Brain, ce sera 100% de la collection d'objets. Ah, ouais, effectivement, j'entends mieux. Ensuite, la friture, je pense que c'est les 100 000 ennemis tués. Et Goldfinger, c'est les 5 doigts d'or. C'est pas dit que ce soit ça, mais au cas où, d'ailleurs, je vais faire ça et je vais faire ça. Voilà, comme ça, je pourrai directement le switcher. J'espère que vous voyez tout bien, tranquillou. J'ai pas le retour, j'ai juste le chat, mais normalement, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis voilà, quoi. Il faut que ça, ce soit ici. Que ce soit actif. Et puis, bah, let's go. Hein. 5, 4, 2, 8. J'espère que ça va bien se passer. Goldfinger, il a 007. Ouais, on s'est dit, c'était peut-être ça. J'avais noté au cas où, peut-être, avec un ennemi à tuer spécifique qui ressemble à Goldfinger. Mais non, on les a déjà tués, c'est la brute. Donc non. Donc, c'est pas ça. Je pense pas. Après, de toute façon, il faut dire une chose. C'est que là, c'est très simple. Soit les trois là, c'est ce qu'on a prévu, ces trois là. Si c'est pas ça, on fera pas top 1, en fait. On a pas, là, ce sera pas, magique. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Mon casque. Il est là. Il est là. Ah. Là, avec ton truc, là. Merci. De rien. Donc, on n'aura pas trop le choix, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, il faudra qu'on mette ces trois trucs. Rapido. Et si c'est pas un de ces cinq
screen qu'on a déjà pris, le temps que j'aille prendre le screen et que je le poste, c'est sûr qu'on fera pas premier. Donc voilà. 59. Oh putain. Oh putain. Jour 7. Alors je vais refresh comme un malade. Hein. De toute façon, ça va passer en actif. De toute façon, c'est F5. Hein. Je fais ça, mais. On va faire ça comme ça plutôt. Allez, on y croit. Et après, on va regarder en temps réel. On va voir combien je vais terminer, tout simplement. Donc, Big Brain, ce sera le premier. Goldfinger, Fritter. Fritter, Big Brain, Goldfinger, Fritter. Il n'y a pas de son en fond, hein, mais voilà quoi. C'est un peu con que le dernier challenge, le dernier jour, ce soit de faire ça. Ok, c'est 18. Ok. C'est en train de charger. D'un coup, ça va arriver. D'ailleurs, plein de gens qui actualisent comme moi. On espère que ça va être ça. Hein. Allez, mettez les défis là! C'est confidentiel. Ah, je l'ai. Big Brain, découvrez toutes les évolutions, les fusions. Putain, je suis trop fort. Hop. Paf. Point. Ok. Trouvez les 5 doigts d'or, c'était sûr. Paf, 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 paf. Et enfin, éliminer 3 crevettes. 3000. Oh, on a tout. Ok. On a tout posté. Je peux pas faire plus vite. Waouh, on a trop bien fait. On a deviné juste. Oh, alors là, mesdames et messieurs, maintenant on n'a plus rien à faire. Maintenant, il faut attendre. Il faut attendre la validation et peut-être les bâtards. J'ai trop bien fait. Toutes les évolutions, les fusions standards, j'étais pas sûr. Mais je l'avais pris au cas où. Donc c'est bon. Les 5 doigts d'or, ça, j'en étais sûr et certain. Et Friture, c'était les 3000 crevettes. C'est une dinguerie, ça, par contre. Donc je vérifie quand même. Hein. Tous les objets en fusion. Voilà, toutes les évolutions et fusions. C'est bien ça. Toutes les évolutions et fusions. C'est bon. Donc on l'a bel et bien pris. Big Brain, le 100%. Compléter la collection. Donc ça, c'est bon. Enfin, non, je veux dire les 5 doigts d'or, pardon, c'était pas ça. Je dis la merde, c'est celle-là, les 5 doigts d'or. Oh, j'ai eu peur. Les 5 doigts d'or, ils sont là. Et enfin, donc les 3000 crevettes. Les 3000 crevettes. Bon, j'espère qu'ils vont pas être en mode... Alors oui... Vous n'avez pas... Merde, la chatbox. Faut que je la foute ailleurs, moi. Ouais. Faire frire des crevettes. Hein? Non, mais écoute. Pas tant de solutions, hein. Je te contacterai une fois. Ah non, mais hey, t'inquiète, c'était pour... Voilà quoi. Tu n'es obligé en rien du tout. C'est toi qui avais dit ça après. Après, voilà. Hein. Bon, mais on n'a plus qu'à attendre que ça valide. Et après, on regardera donc le classement. Et j'espère qu'on sera là. Hein. On va voir. Hein. Tout est posté. De toute façon, on peut plus rien faire. Tant que ça fait pas ça là, accompli, 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 accompli. Voilà. On n'a plus qu'à attendre. Je vais mettre un peu de musique en fond, du coup. Histoire 2, on s'en fout, hein. Ouais, sur les solutions, là. Non, attends. On va aller dans le premier niveau, tiens. Allez, hop. Et là, ils me disent... C'est pas bon. Imaginez. Imaginez. Là, franchement, je l'ai mis.
Je pense pas pouvoir être plus rapide que ça, hein, sérieux. Je vois pas. Hein. À 18h, c'était pop. On va dire 18h20. J'ai mis combien? 10 secondes pour tout mettre? Même pas? Même pas 10 secondes. Fafa qui essaye de s'exprimer. Bon, alors, ça risque de prendre un peu de temps, hein. Parce que il va y avoir du monde. On est combien au total? Au total, on est 836. Ah, Sandra qui te dit coucou. Fais des coucou. Bon, à part ça, écoutez, bon, de toute façon, on verra bien ce qui se passe. Content d'avoir pu réparer la cam. Apparemment, c'était le zoom. C'était toi, là. Toi. Qui déconnait. Donc, je l'ai démonté. J'ai fait attention à bien enlever le truc devant. Et je l'ai remis. Et puis, bon, je sais pas. Peut-être qu'elle a pris un choc. Mais je crois pas. Hein. J'ai fait vraiment attention quand même pour la cam. Il n'y a aucune raison que la cam ait pris un shoot. Donc voilà quoi. On risque d'attendre une dizaine, vingtaine de minutes, je ne sais pas trop. J'espère qu'on va avoir validé, validé, validé. Le classement va commencer à bouger, je pense déjà. Hein. Il y a du 6700 points, donc pour l'instant c'est Novadix qui est first. Donc les points commencent à être validés. Oui, je suis à 5900. Donc ça commence. Novadix. Et là, on va dire que ça a réussi à valider. Big Brain est validé. Big Brain est validé, mesdames et messieurs. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc les points vont mettre du temps. Il risque d'y avoir des bugs. Ça arrive, voilà. Ils sont en train d'essayer toute la semaine. Ça a été comme ça. Il y avait des problèmes avec les points qui s'affichaient pas et le classement qui n'était pas tout à fait à jour à cause des comment ça s'appelle? Des délais en fait, ils vont prendre les délais. Bon, déjà, on a un fait qui est un succès qui est validé. Novadix qui est toujours first. 6700 points, on a deux personnes qui sont first. Enfin, qui ont vu les points validés. On rigole beaucoup pour le retour des devs de The Day Before. Ouais, quand j'ai vu que t'as mis ça, j'étais mort de rire. J'ai dit, mais non. The Day Before, pour ceux qui savent pas, c'est des devs qui ont mis un jeu en mode ouais, acheter le jeu et tout pour qu'on puisse financer, pour que le jeu puisse être bien. Le jeu est sorti, le lendemain ils l'ont fermé. Merci pour l'argent, so long. Donc bon, un peu des merdes. Et là ils sortent un nouveau jeu, ça c'est une honte d'entendre un truc pareil. Et ils demandent des sous encore. Évidemment, faut surtout pas leur prendre leur jeu et j'espère qu'ils seront même sanctionnés pénalement pour un truc comme ça. Parce que c'est totalement une arnaque, effectivement. Allez, Goldfinger et friture, c'est sûr. Putain, j'ai tellement bien fait d'avoir pris ces screens. Comment quelqu'un aurait pu être plus rapide que moi? Écoute, je ne sais pas. 5950 points. Classement, c'est toujours Novadix qui est devant pour l'instant. Pour l'instant, pour l'instant. On attend. On verra. Je sais pas. Bon, ce qui est sûr, c'est que je vais faire un bon classement. Là, j'ai même pas eu à aller sur le jeu pour prendre le screen. J'ai déjà préparé le screen en avance. Donc, moi, j'ai dû mettre 10 secondes, je pense. 10 ou 12 secondes, un truc comme ça. Je sais pas, faudrait compter. Mais j'ai dû mettre un truc comme ça. Faire passer le message pour éviter de nouvelles victimes de ces crapules. Bien sûr, ouais, non mais bon, après, moi, hein, vous savez, hein, je cautionne pas les jeux qui sont des totales arnaques. Il peut y avoir des jeux qui sont mauvais pour certains, bons pour d'autres, il n'y a pas de problème, je peux comprendre. Tant que les jeux sont faits avec une bonne intention, ça va. Il y a des jeux, c'est clairement une mauvaise intention, et là, bon, ben. Allez, validez-moi mes trucs, là! Moi, c'est surtout ça que je stresse, un peu. Après, le temps, écoutez, on verra ce qui se passera. Si ça se joue à une demi-seconde, ben ça se joue à une demi-seconde. Je pourrais pas mieux faire, vous voyez. J'aurais pas 36 solutions, de toute façon, voilà. Il se passera ce qui se passera. Hein. Mais déjà, au moins, si on voit que c'est validé, ce serait une bonne chose. Déjà. Toujours Novadix. Donc il y a Novadix, Charuku et Efera qui ont été validés. On a quelqu'un à 6800 points, mais qui est cinquième. Alors qu'il est premier. Avec Summer Rainy Apple. Ok. Ça bouge, ça bouge. Ça bouge. Là, il doit avoir une quantité
de trucs qui doivent arriver, ça doit être n'importe quoi. Ça doit être n'importe quoi. Hein. Gollum, voilà le talent zéro des devs. Gollum, ça a été fait. C'est un très mauvais jeu. Ils ont voulu le vendre parce que c'était la licence. Bon, c'est arrivé des centaines de fois depuis que le jeu vidéo existe. C'est pas d'aujourd'hui. Hein, des jeux sur Mega Drive faisaient déjà ce truc-là. Donc bon. Allez. Allez. Par contre, ouais, Day Before, c'est autre chose. C'est vraiment une arnaque pure et dure. Ok, ça a été validé, Goldfinger. Ouais, c'est bon. J'ai eu les trois bons trucs. Hein. Je vois pas dans quel monde. Hein? Non. Je suis sûr qu'il y a eu le descriptif. Mais là, maintenant, j'ai eu le descriptif. Mais avant, je savais pas. Oui, j'ai mis le bon truc. Mais je sais pas, au cas où, tu vois. Il le voit pas dans le stress, je sais pas. Dans le stress, je mets le mauvais truc. Je vais lui jeter quelque chose. Je vais jeter mon étui à lunettes, tout ce qu'elle mérite. Donc, je sais pas moi, une fois que ça s'est validé, après c'est le timer qui fera office, tu vois. Voilà, en attendant. Ok, on est remonté 17ème, j'étais 30 et quelques, parce que j'avais fait exprès de. Hier j'avais fait un test pour voir si effectivement c'était les premiers. On a React Progress qui est numéro 1, et Novadix qui est tombé 4ème. Donc, déjà Novadix, il lui manque 100 points encore à valider, qui n'ont pas été comptés. Passage de suspense, veuillez suspenser. Gollum, le cas typique de jeu de commande. Typique, je suis pas d'accord. Mais ouais, ça arrive. Mais c'est pas typique. Regarde, comment ça s'appelle Hogwarts Legacy. Pff, folie. Tu peux pas dire que tous les jeux sont nazes du moins que c'est une commande, tu vois. Il y en a, ils sont très très bons. Je rappelle que Kingdom Hearts, c'était un jeu commande. Hein. De la part de Disney. On veut un jeu avec Dingo... avec Mickey et tout le bordel. On travaille sur un Final Fantasy, on peut pas là. Voici l'argent. Ok, on va travailler sur le jeu. On va tout mixer et ça ira quoi. Le jeu King Kong PS1 sorti sur PS5. Si tu parles du jeu qu'il y avait sur PlayStation qui s'appelait. Comment il s'appelait? Il s'appelait pas King Kong. Il était très bon hein. Je me rappelle plus le nom. Mais il était très très bon en vrai, c'était un jeu à la première personne où tu te baladais sur l'île et tu devais découvrir ce qui se passait avec King Kong, tout bordel quoi. Le capturer, l'emmener à Londres et c'est là où ça partait en couille. Il était trop bien, trop trop bien. Bon allez là. Ça va être long, hein. Ça va être très long. Enfin, très long, non, mais voilà quoi. Qu'est-ce que je veux dire? React Progress, toujours first. Est-ce que c'est 6800 points? Poing? 3, 4, 5, 6, non. C'est pas 6800. Si par contre ils me mettent 17ème ou 20ème, là je comprends vraiment pas. Là ce sera vraiment en mode ils ont fait à l'arrache et. Let's go. Parce que c'est pas possible qu'il y ait genre 16 personnes qui aient posté avant moi le truc. Toujours React Progress first. Mais ça veut rien dire, hein. Il manque beaucoup de gens, vous voyez. Beaucoup de gens sont pas à 6008. Même Novadix en fait. Pour l'instant il y a que React, Summer, Gnimish. Je pense que ceux-là c'est sûr. Les trois là, ils sont dans cet ordre là. Mais il manque tous les autres maintenant. Il manque. Voyons voir. Bon, vous me le validez mon truc là? Qu'est-ce qu'ils disent sur le Discord? Alors. C'est précisé qu'ils sont plus rapides. Sérieux? Oui, oui, c'est écrit. Oui, voilà. Je viens de voir. Merci. À chaque premier poste, le premier gagne un peu plus d'XP. Faux. C'est pas ça. Ça va se jouer aux millisecondes. Ça, c'est sûr. J'ai la pression, je trouvais pas mon screen. Bon, toi, je t'ai battu alors. Ok, ok. Chaque summit qui compte. Le plus rapide sur le summit. Ouais. On verra. Suspense, GL. De toute façon, Cladal, Diamouk, c'est pas des gens qui sont classés qui me. Qui... Captain Kiwi, il est fort lui. Captain Kiwi. Intense à Kiwi. Hagrid Gaming, bon non. Salut Harry.
le seul qui restait à faire. Oh le pauvre! Mais il fallait pas faire ça, pourquoi il se... Y a pas besoin. Ah, c'était ça le règlement. Si jamais les participants sont à égalité après avoir effectué les quêtes d'un chapitre, le départage se fera en prenant compte de la date et l'horaire de soumission de la dernière quête du chapitre. Le participant ayant envoyé en premier leur dernière validation de quête passera devant les autres participants. Voilà. Ça finit demain, mais là c'est terminé en fait. Donc là ils vérifient manuellement. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Bon. Vraiment ça, là. Peter Jackson! Exact! Bien vu. Bien vu, Lagda. C'était très très bien comme jeu. C'était un super jeu, effectivement. Peter Jackson's King Kong. King Kong. King Kong. Rockaroi! Je suis Peter! Bizarre ce streamer, quand même. Bon, la cam marche bien, hein. C'est bon, y'a rien qui pète là dans tous les sens. On est ok. On en est où là? Toujours React pour Regress. Allez, valide-moi ce truc! Ça va pas. On aura bien propulsé les Dino Droppers. Je vois qu'il y a Ephera qui a 6700 points. Ça a été validé avant moi, mais je pense très sincèrement que je vais être au-dessus. On verra. Ephera très costaud, hein. Et Raikalol aussi. Et Lollipop aussi. Ça là? Ces trois personnes, c'était vraiment, vraiment motivé. Hein. Raika et Loli, je crois qu'ils... Lollipop, là, ils ont fait, ouais, bon, flemme. Mais Ephera... Un truc con, le perso qui comptait le nombre de munitions, Karatéh, 0... Non, moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien. Au contraire. Je trouve que c'était une bonne idée. Une bonne idée de gameplay. Bah au final, je me suis trompé que sur Friture. Enfin, trompé, pas vraiment, parce qu'on avait fait le screen, mais il y avait que Friture où j'étais pas sûr que ce soit ça. Pour moi, c'était les 100 000 ennemis tués en une seule vague, enfin une seule game. Et en fait, pas du tout. Big Brain, ça, c'était cool. C'était soit la collection max ou soit ça. Bon, pour le coup, c'était ça. Je pensais plus que ça allait être la collection max en vrai. Goldfinger, ça c'était 100%. Ça, je voyais pas ce que ça pouvait être d'autre. Même si c'était James Bond, tout ça, tout ça. My name is Bond. James Bond. Je suis 32e actuellement. Toujours React Progress en first. Ouais. Il y a beaucoup de 6800 qui sont là, ça y est. Ça arrive. Et salut. 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 Je rappelle que les récompenses, donc... Récompense individuelle. Si on arrive à faire top 1, on a le Lenovo Legion Go plus un trophée plus un an de Game Pass. Sinon, 2 c'est une manette Xbox plus un casque plus 6 mois de Game Pass. Ensuite, c'est que la manette. Ensuite, c'est que le casque. Et après, c'est des abos et tout ça. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on sera grand max ici. 50e. Vraiment du max, du max, du max, du grand max, du giga max. Après. On verra. Si quelqu'un était plus rapide que moi, bah franchement GG. Hein. Franchement GG à lui. Ou elle. On pourra pas faire grand chose. Hein. Je suis 33e. 6300 points. Ok. Ok, ok. Mais voilà, on a quoi? On a eu le premier, celui-là qui a été validé, le 400. Il manque ces deux. Je pense, hein. Toujours React Progress. Hmm euh,
Ah, les personnes qui valident. Ah là, ils doivent avoir du taf, ça c'est clair. Hein, parce que imaginez que tout le monde mette en validation les 4 quêtes. On a dit qu'il y avait combien? Il y a quand même 837 personnes. Bon, ces personnes-là, je sais pas si elles ont vraiment joué, mais s'il y a 837 personnes qui cherchent à mettre 4 trucs, ça fait quand même un sacré paquet de bordel à vérifier. Ça fait 3200 et quelques à vue de nez, à la louche comme ça. 3200 screens à valider. Bon. À l'aide. En vrai, à l'aide. Il y a Efera de la guilde avec Kalen, Dean Dropper, qui est là, 9ème. 9ème position. Mais c'est trop chiant parce que si tu es là, 5ème, en fait, si t'es pas dans ça là, t'as quasiment rien d'intéressant à entre guillemets à gagner à part 6 mois de Game Pass. Ce qui est déjà très très bien. Faut pas se mentir. Faut pas se mentir quand même. Mais bon. Bon, friture là. Faut me le valider là. JPP. JPEPS. C'est la soumission qui compte. Pas la validation par les admins, il y a l'heure de soumission de leur côté, donc tranquille les gens, pareil pour l'XP, même si c'est pas actualisé tout de suite, l'important c'est que tout soit validé. Je suspends pendant longtemps, surtout comme moi, qui ont pas leurs 6800 d'XP comptés, il y a 7100, ok, d'XP. Personne n'a le bon montant, exactement. 7100, 7050, ok, donc. Pas encore sûr, apparemment. La dernière quête n'est pas validée, ce qui effectivement serait ça. 8. Ouais, c'est ça, c'est celle-là. Crevette, en fait, elle est pas validée pour personne, apparemment, la friture. Ils sont en train de valider ces deux-là, au début. Faut un premier jet avec ces deux. Par contre, quand vous voulez, vous me comptez pour moi. Ah. Oui, on est bon? Ouais, c'est bon, la cam est ok. Je vérifie parce que bon. Pas que ce soit le. Mais attendez! Mais depuis tout à l'heure, vous voyez pas? Bordel de merde! Fallait me le dire, je vous ai demandé! En fait, vous voyez pas? Eh ouais! Là, vous voyez maintenant! Et oui, j'étais en train de. Depuis tout à l'heure, j'étais en train de rafraîchir ça. Pour voir là, ça. Il me manque celui-là. À valider. Je pensais que vous aviez la vue sur tout ça. Et même la soumission et tout ça. Des screens, je pensais que vous aviez. Tout le bordel. Ouais, c'est 7100 apparemment, les gens sont d'accord avec ça. Bon, j'aime bien les gens qui arrivent. Il manque 100 points! Oui. Depuis tout à l'heure. Mais même plus que ça, parce que moi il m'en manque plus que 100 en réalité, je suis à 6350. C'est calme. Il y a des gens qui ont fait des tickets partout, j'imagine. Voilà. Manque de 450 points, manque de l'XP, manque. Mon problème d'XP. Putain, mais les gens ils abusent. Ils forcent. Une quête valide alors que j'ai mis à 18h pile. Toku, c'est qui lui Toku là? T'es qui Toku toi? T'es par là toi Toku? Oh y'a pas de toche! Oh putain gueule! Oh pas de toche! Je vois pas Toku. Service Xbox en PLS? Pas vraiment! Parce que c'est juste. C'est peu de personnes hein, qui s'occupent de ça. Y'a très peu de gens en fait. Hein. S'ils sont 5 déjà ce sera pas mal. Hein. Je pense qu'ils sont même pas 5. S'occuper de tout ça. Mais dites-vous que chaque jour ça a été comme ça. Chaque jour. Oh yes, tout a été validé. Ok. Donc maintenant, voilà, on a mis les bons screens en 10. 15 secondes, même pas, 10-12 secondes je dirais. Donc à partir de là. Maintenant, mesdames et messieurs, il faut espérer qu'on ait eu les bonnes intuitions. Et que les gens ne l'aient pas eu, les autres personnes, et que
et que ce soit vraiment sélectionné ou vraiment qu'ils aient le dixième de seconde pour vérifier qu'effectivement tout est ok. Je suis remonté top 11 déjà. Ok. Déjà, le classement a dû changer. C'est toujours React Progress en first. Très bien. Ça monte. Moi je suis ici du coup, je suis là. Déjà, il y a Raikalol qui est juste derrière, qui est aussi avec nous, avec les Dino Droppers, et Fera, qui est là, qui est bien tombé du coup. Ok. Ok, ça arrive. Ça arrive, imminent. Tant qu'on n'a pas 7100 ici, tant qu'on n'a pas marqué 7100 ici et là, que les, tout le monde ait 7100, on n'aura pas l'information du... Comment ça s'appelle, hein ? L'information sûre et certaine de comment ça se passe. Déjà top 1 de la guilde. Allez hop là, ça c'est fait. Allez hop là. Plus qu'à attendre. Le farmer des nains, bien sûr. Évidemment. Bon, j'en profite pendant qu'on attend tout ce bordel là. Demain on est samedi. Bravo. Demain après-demain on reprend le rythme classique des streams. 8h, midi, c'est bon, on sera sorti du Game Pass Challenge. Donc on reprendra le World of Warcraft. Il faut qu'on fasse le reset sur tous les persos de la citadelle de la couronne de glace, bien sûr. Qu'on farme du pognon, bien sûr. Qu'on farme aussi Naxxramas, bien sûr. Il faut qu'on fasse des gouffres avec Fafa. On en a fait un, juste tout à l'heure. On en fera peut-être tout à l'heure encore. Peut-être. En fonction. On verra. La motivation. De toute façon, on n'a jusqu'à mercredi pour les faire. Il faut qu'on en fasse 7 d'ici mercredi. On en a fait qu'un seul pour l'instant, niveau 8. Ça s'est très bien passé, hein. Le stuff est là, ça fait plaisir. En plus, ça va pouvoir me craft mon anneau. Mon nano 619, ça y est, elle a les statistiques pour pouvoir le faire. D'ailleurs, t'as dû récupérer large maintenant, je pense. Voilà. Comment ça s'appelle? La concentration. Pour pouvoir passer le truc. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il va être très très bien stuff, le corn. Et après, il ne me restera plus qu'à stocker des poudres à la con, là. Pour pouvoir crafter mon dernier item de forge 300... non, je sais plus combien là. Je sais même plus quel level ils sont là, le stuff. Ouais, mais c'est des poudres bleues. Tu vois lesquelles c'est là? C'est des poudres bleues. Mais ouais, c'est des acutés, mais bon, c'est de la poudre, voilà. La poudre de Ségrimir. Donc, il me faudra ça, quoi. Ouais, en fait, je sais pourquoi il valide pas celle-là encore tout de suite. Parce que c'est la dernière qui compte. Donc ils doivent être en train de faire le classement par rapport à la dernière. Ils ont validé les deux premières très rapidement. Et celle-là, c'est celle qui est la dernière qui compte pour le score. Au moins, je suis rassuré pour les screens déjà. Donc c'est bien celle-là, il manque celle-ci. Il manque cette... juste celle-ci, là. Et je me dis, dans un sens, c'est pas plus mal qu'ils le font pas tout de suite pour moi, parce que ça va peut-être dire qu'ils sont en train de réfléchir. Je sais pas, j'essaie de me dire des trucs. Je sais pas. MDRIM, qui était first pendant un petit moment, il a réussi à faire 2 jours de first aussi. En fait, de toute façon, on n'était pas nombreux à faire du first. Tous ceux-là, ils sont nouveaux. Patoche, tout ça. Il y avait... Donc je l'ai fait moi 2 fois. Il y avait Raikalol, MDR Prime. Il y avait Tokusante Jinyu. Voilà, à l'aide quoi. Lui aussi, il a réussi à faire first un jour, je me rappelle. Oh, il y a Sanzo. Hors de rire. Sanzo qui a tryhard. Est-ce qu'il y a des gens... des mages aussi, celui-là, il était très très fort. Très très fort, il a réussi aussi à faire des top 1. Captain Kiwi, on l'a vu. Bon, c'était temporaire, mais on l'a vu. Est-ce qu'il y en a d'autres par là qui sont... Et ça après, à mon avis, c'est trop tard.
Donc déjà, je pense que en vrai, on est combien là? À être à 6008. Ok. On est 20 à être... Ok, donc en fait ça va jouer dans les 20 premières positions, je dirais. Non, même pas, 19. On est 19 à vraiment tryhard comme des cons, quoi. Donc ce sera... ouais. On va se battre. Avec les 19. Mais j'avoue que... Je sais pas comment ils vont faire. Hein. Est-ce qu'ils ont vraiment à la seconde près? J'espère. En vrai, j'espère. De toute façon, on aura aucun moyen de vérifier. Ah, il y en a encore qui passent à 6008. On est 20 à être 6008 maintenant. Donc tout le monde n'est pas encore à 6008. Ils sont en train de continuer à valider la troisième. Ils sont rapides quand même encore. En vrai. Bah, y a rien de marqué. Donc on sait pas. En fait. On peut pas savoir effectivement comment ça a été sélectionné après. Mais il y a un règlement, mais tout n'est pas détaillé dans le règlement parmi tous les trucs, quoi. Et ils ne vont pas comment dire, afficher, je pense, les temps des gens. Ils vont afficher le gagnant, point. Ou la gagnante, peu importe, mais vous avez compris, quoi. Donc je sais pas. Je sais pas, on verra. Oh, et de toute façon, moi ça m'a fait plaisir de tryhard ce jeu. Ça faisait longtemps que j'avais pas tryhard un truc tout court. Tournoi, concours, ce que vous voulez, quoi. Donc en plus, c'était avec Kalen, El Famoso. Ce serait trop drôle qu'on soit dans le. Voyons, Dino Droppers là. 11ème, 12ème. Ah ouais, Raika, lol. J'avais dit qu'il était vénère. Hein. Efera, 6007, peut-être qu'il manque encore. Lollipop, après c'est nous. Kalen, il a fait un score quand même de 0. Putain, mais qu'est-ce qu'il est fort. Hein. Quel branleur, ouais, surtout. Donc JPP, hein. Il est en mode, oui, alors je fais des usines. Vous pouvez pas comprendre. Goltor vient avec nous sur Satisfactory. Aïe 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 aïe. Bon, bah j'espère que, je sais pas, hein. On va attendre encore un petit peu, mais il y a que les 20 proms, hein. Qu'est-ce que ça dit du coup? Oula, 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 ils ont dit des choses, les gens. Ah, bah, t'es Nova. Chapitre, c'est rapidité. J'espère tout de même qu'il va y avoir un plot twist. Non, je pense que c'est foutu. Hein. C'est écrit noir sur blanc sur les règles, d'accord. Tout le monde a terminé le jeu dans le top 75. Ah, oui, depuis longtemps. Après le 100%, on s'est pas dit, mais. Ça savait très bien que plein de gens finiraient le jeu. Oui, voilà, c'est ça. Ne valide pas les quêtes dans l'ordre d'envoi, source Evian. Ouais, ouais, il y en a qui ont fait les 100%. Découvert un super jeu. Bah, il y a quelqu'un qui a découvert un jeu. Tant mieux, tiens. Ah oui, oui, je fais le 100%, oui. Pour découvrir les nouveautés. Ta 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 ta. En vrai, ce qui aurait été cool, ça aurait été de faire comme pour Minecraft, genre tout le monde restart une game avec plusieurs preuves pour éviter le scam. Non, mais au bout d'un moment, on doit atteindre un certain palier en 24 heures. Je sais pas, un succès spécifique ou un nombre d'items. Non, mais il est fou. Faire re-reset la save, quel intérêt. Oui, voilà, c'est ça. Départager. Enfin, je sais pas, on verra. Hein. On verra, mais là, ils ont marqué que c'était sur le temps, donc... Ouais, voilà, il y a des gens qui ont resupprimé la sauvegarde. Non, mais il est fatigué. C'est dommage, je reverse Satosher qui. Voilà, essaye d'arrêter de marchander. On verra, on verra.
De quoi? Non. J'entends toujours le bruit des Warden parfois, mort de rire. Alors ils sont sur le Discord Microsoft, mais ils sont surtout sur les tickets aide. Et ils sont aussi là, hein, de temps en temps ils répondaient. Mais... Bien sûr. Non mais de toute façon Microsoft c'est qui? C'est qui Microsoft? Bah c'est qui Microsoft? C'est les employés. Il n'y a pas l'entité Microsoft qui existe. Pourquoi pas, enfin bon, de toute façon on s'en fout, c'est pas méchant en soi, mais... Le chapitre 2 sur LoL. C'est vrai qu'il y avait un Game Pass Challenge qui était sur League of Legends. J'ai même pas essayé. Je vous le dis tout de suite. Même pas essayé. Même pas. Pour des farmers comme moi. Ah bah écoute. Moi je me suis régalé, hein. Hmm. De quoi? Non mais même, il y avait des gens qui étaient beaucoup trop forts. Le niveau du Game Pass Challenge de League of Legends, ça n'a rien à voir par rapport à celui-là. Attention, il y en a un qui vient de mettre là, la patate magique. La save de Vampire Survivor, il suffit de désactiver le cloud de Steam, il a bougé. Bon bref, ils sont en train de saler. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant, c'est des gens qui s'énervent pour rien. De toute façon... Là, on voit qu'il y a combien de personnes. Moi, ce qui m'intéresse, voilà. Les gens mentent, pas les chiffres. Après, les gens utilisent les chiffres pour mentir, mais voilà. On est 20. Je vois là. Mais ça m'étonnerait qu'Efera n'ait pas terminé. On est 20 à avoir validé les 6800 points. Déjà. Déjà, les 6800 puntos. Bon, par contre. Voilà, hein. Je vais bien attendre encore un peu, mais on va pas passer 4 heures non plus à check un. Parce que si le résultat sort demain. Écoutez. Toujours React Progress. Alors lui, il doit faire de l'huile. Hein. Je vous dis, s'il a une seule olive entre les fesses, une seule, je pense qu'il y a déjà 50 litres qui sont sortis d'huile. Je veux dire, mais comment c'est possible de presser une olive aussi fort? Je pense pas. Actuellement, ça doit serrer fort là. Parce que te voir top 1 et pas savoir si effectivement t'as gagné ou pas. Ouais. Moi ce que j'aurais changé en vrai, c'est pas refaire, tu vois, le jour 7, refaire recommencer à tout le monde encore une sauvegarde pour départ. Non. En fait ce que j'aurais fait c'est que les jours 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fait, ton temps, le temps que t'as mis pour déposer déjà ces trucs là, est servi à quelque chose et soit comptabilisé en fait. Parce que, comme j'expliquais la dernière fois, des gens ont peut-être pris le jeu là, au jour 4, ont tout fait là, et aujourd'hui, en fait, ils ont posté ces 3 derniers screens en prems, et ils feront premier, vous voyez ce que je veux dire? Donc si tu t'es fait chier sur les 4 précédents jours, parce qu'en vrai ce que j'ai fait, on peut le faire en 3 jours. Ouais, 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 faisant que ça, mais quoi que, ouais non, plutôt quand même 4. On va dire s'il commençait là, s'il avait raté les 3 premiers jours, il peut commencer là et tout faire. Ça c'est un truc que je changerais par contre, ouais. Parce que c'est vrai que le fait de se dépêcher pour les premiers jours ne comptait pas au final, vu que c'est le 7ème qui départage. Ça c'est le seul truc que j'aurais changé, tu vois. Après, refaire une épreuve pour redépartager tout le monde, je vois pas trop hein, qu'est-ce qui pourrait être fait là actuellement pour départager les gens. Bon, ce qui est sûr, c'est que le site, là, il en peut plus, là, il est en mode... On va attendre 45, ok, mesdames et messieurs. Et s'il y a 45, il n'y a pas de changement. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On remballe et on se casse, hein. Voilà, hein, on attendra le résultat et puis c'est tout, hein. Est-ce qu'il y aura un live demain de la part des gros influenceurs pour annoncer... les éventuels gagnants, je sais pas. Peut-être qu'ils garderont secret ce truc-là pour que... Je sais pas. Hmm? Je sais pas. Ils ont fait la soirée d'ouverture du Game Pass Challenge.
Après, c'est pas dit qu'il fasse la clôture. Ça, c'est pas dit du tout. Ça. Surtout qu'en plus, là, c'était 18h. Allez, on attend 6 minutes. De toute façon, il n'y a rien qui bouge là. Il n'y a rien du tout. Rien ne bouge. Rouge sur rouge, rien ne bouge. Rouge sur blanc, il tout fout le calme. Là, il y a Tixbo. Donc, il y en a un nouveau qui est passé à 6800 points. Donc, il y a encore des gens qui n'ont pas leurs 6800 points. Go faire un burger vite fait là. Bah, t'as. Ouais. Écoute. Dans 6 minutes, moi, s'il y a toujours rien, bah. Ça fera quand même 45 minutes, 50 minutes qu'on sera en live. Bon. J'aurai la vidéo entre guillemets preuve. De toute façon, on a tout fait quasiment en live. En termes d'avancée. Donc. La progression, elle est prouvée si jamais ils demandent d'avoir des trucs et tout ça, quoi. Et, voilà, hein. Et je pense qu'ils vont vérifier aussi les gens, parce qu'il y a des, y en a qui annoncent des trucs là à la con. Genre, tu peux ne pas. Enfin, la sauvegarde, tu la prends depuis Steam pour la bouger sur le Game Pass et tout ça. Je pense qu'ils vérifieront le temps de jeu des personnes aussi. Ils vérifieront. Ce qui est bien, c'est que moi, dans un sens. J'ai tout débloqué là il y a peu. Donc les succès ils sont timés quoi. Vous voyez le 27, 27, 27, 27. Oh, j'en ai fait un paquet, vous voyez, on affiche tout là, qu'on rigole un peu là. Donc ça, ça a été fait le 27, tout ce bordel. Le 25. 25, 25, 25, 25, 25, 25, 24. Oh, j'en ai fait vraiment. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il a lui? 24, 24, 24, 24. Est-ce qu'on a fait les succès ultra rares là? 0,51% des joueurs. 0,52%. On a fait des beaux trucs. Hein. 1, 2, 3, 4 à 0,5. Encore en dessous d'1%. Encore en dessous d'1%. C'est les plus bas, 0,5, je pense. Hein. Je pense. Allez-moi tout ce bordel, bon, c'est. Et ça, c'est les DLC. Propre, hein. On a géré du poney, hein. Bon. Je pense qu'on n'aura pas la réponse ce soir, mesdames et messieurs. M'étonnerait très fortement. C'est la panique sur le périphérique. Ouais, c'est impossible à prouver ce que dit Reverse. Après, je vois ce qu'il veut dire, mais en fait, il y aura jamais. En fait, le seul moyen de départager et de vérifier que tout le monde fasse les choses correctement, c'est que tu les aies devant toi. Sinon, après. Et voilà. Il doit encore monter des persos niveau 50 qu'il a jamais joué. Ah, d'accord, mais t'es loin de tout encore pour l'instant, donc. Donc bon. Il se prend la tête pour pas grand chose là. Ah voilà. Les gens espéraient voir ça. Lolo qui pensait voir un nain. Et non. Inong. J'attends 45, pourquoi? Parce qu'en fait, ça se met à jour tous les quarts d'heure. Le site, apparemment. Donc peut-être qu'à 45, 46, il y aura quelque chose. Et si c'est pas le cas, bah je cutterai. Et puis on se retrouvera demain pour du World of Warcraft. Je sais que le planning, là, il est complètement perma-foiré. Hein, sur Twitch. Le fameux Twitch. Putain, non, je me suis trompé, j'appuie sur des boutons faux pas, programme. Voilà. Je sais que là, c'est foiré. Donc ça et ça, c'est pas bon. Ces deux lives là. Mais c'est pas grave. Ce sera pour eux, voilà.
Voilà, vous voyez, le classement est actualisé toutes les 15 minutes, c'est marqué en bas là. Donc, à 45, voire 46, on aura des infos. Même si c'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai vu que ça bougeait aussi en temps réel quand même, bon. On va dire, voilà. Bon, déjà, on pire ça. Je pense qu'on est bon. Quitter. Bah, c'était chouette, hein. En vrai. Hein. Ouais. Bon, de toute façon, maintenant, je suis plus pressé. Hein. Je suis plus pressé. Hein. Il me reste 3 millions d'argent. Ce qui fait que si jamais je vais ici, on s'en fout. Où est le marchand? Ouais, je m'en fous. Je m'en fous, ça, si tu veux. Mais putain, mais... Je monte trop vite en level. Voilà. Hop! Je gagne plus d'XP. Ça, allez, super. Où est Karine le marchand? Il. Voilà. Je vais voir le marchand. Je peux pas acheter des œufs? Quoi? Comment ça j'ai pas d'œufs? Ah, avec elle j'ai pas le droit? Non, oh, peut-être. Peut-être qu'avec elle j'ai pas le droit. Vous savez quoi? Je vais jouer un arbre. Ouais, je vais jouer Pépino. Pépino c'est un arbre. Et l'arbre il peut pas bouger, regardez. Bon, évidemment, il est perma craqué parce que voilà, encore une fois, avec toutes les stats que j'ai, le compte il est. Voilà. Mais j'ai envie d'aller voir le marchand là. Je veux lui acheter des œufs qui boostent pour toujours en fait le personnage. Et vu que je suis un arbre, c'est dur pour se déplacer. Voilà, il est là. Améliore très légèrement et de façon permanente une stat aléatoire de votre personnage. Après, l'arbre, est-ce que je l'aime? J'aime pas l'arbre, je pense. Parce qu'on a un perso que j'ai envie de jouer là, que j'aime bien. Quel perso je up là comme un dégène? Le vieux, hein. En vrai, le vieux, c'était mon main, hein. Le vieux, regardez tout ce qu'il a fait. Le vieux qui pue. Il en a fait masse, hein, des trucs, hein. Prendre racine, tout. Ouais, ça prend son sens, exactement. Oh, c'est vrai qu'il y a l'avatar Infernas là. Gagne en puissance, mais perd progressivement le contrôle. Oui, bon. Sinon, il y a celui-ci qui est très fort. Scourge. Je l'ai débloqué en le battant sur un pont. Il a un anneau du tonnerre caché. Et en fait, il peut en faire tomber 8. Très puissant. Augmente la quantité d'ennemis, non. Ou alors le Space Dude, hein. En vrai. Petit Space Dude, hein. Il fume max, hein. On prend le Space Dude. Avec ses petits... Barrez-vous! Voilà. Et donc là... On achète des stats. Alors c'est 0,01. Mais forcément... Avec la quantité. Bon, ça va être un peu chiant, non? Allez. Ah là. Easy. Ça a vraiment monté ses stats? On va peut-être gagner 2 points quoi. Faudrait une option qui te permette d'en acheter max d'un coup en fait. Bon voyons, il est 48 hein. Donc là s'il n'y a rien de nouveau, on plie bagage et on se casse. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Ok, bon. Est-ce que sur les 3 premières pages, il y a des nouvelles personnes? Non, non, on est toujours que 21 personnes à être à 6800 points. Écoutez mesdames et messieurs, voilà, on ne saura pas. Pour l'instant, je vous tiendrai au jus, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être l'année prochaine. Voilà quoi, ça arrive fort quoi. La bonne nouvelle de ce stream, c'est que j'ai déjà réparé la cam, donc ça c'est cool. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain,
Et voilà, hein. Ciao, hein. On s'appelle, on se fait une bouffe. Hein. Des bisous. Ciao. Je cut direct parce que bon, là, voilà quoi. Il n'y a pas grand chose à faire. Ciao, ciao.